tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo assez qui va être assez longue je pense sur mes vacances que j'ai passées en Corse avec Mila qui pour vous elle aura déjà un an, moi là je le filme deux jours avant son anniversaire donc nous sommes le 2 septembre et son anniversaire est le 4 septembre donc vous aurez, son anniversaire sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo. Je vais vous dire les petites choses essentielles pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Donc déjà, dans la vidéo, je vais vous insérer, donc selon de quoi je vais parler, je vais vous insérer des photos et des vidéos de ce que j'ai pris là-bas sur ce qui correspond donc à ce dont je vais vous parler. Donc si je parle de telle ville, et ben, je vous mettrai des photos que j'ai pris là-bas ou des vidéos, des paysages et tout ce qui se passe. Donc voilà, je vais assez détailler, donc je vais me dépêcher. Et puis on va commencer tout de suite. Donc nous sommes partis du 22 au 31 août, 2015, là on en revient juste. Nous sommes logés, enfin nous étions logés chez des amis qui nous avaient prévu un siège auto pour la petite, un lit parapluie et une poussette canne. Donc vraiment c'était très bien, on n'a rien eu à emmener. Seule chose qu'on aurait dû faire, c'était emmener la poussette canne de la petite. On aurait pu la garder jusqu'à l'entrée dans l'avion et ça, on n'y a pas forcément pensé. Enfin, on va dire qu'on le savait, mais on n'a pas réfléchi, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on n'était pas tellement préparé, donc on n'avait pas de poussette à l'aéroport et pour dormir, c'était un peu chaud. Donc c'est la deuxième fois qu'on y va, donc j'y ai déjà été avec ma maman et mon petit frère. Et là j'y ai été donc avec mon papa, ma maman, mon petit frère et ma petite sœur. Donc voilà, donc là c'était vraiment en famille, alors que les autres fois c'était c'était pas pareil. Donc on va commencer avec le premier jour, donc le départ. Donc on est parti de chez moi, donc bien sûr je vous dirai pas d'où, parce que sinon ce sera trop simple pour vous et j'ai pas envie que tout le monde sache où j'habite. Nous sommes partis en voiture jusqu'à un certain endroit, donc on avait 2 heures de voiture. Ensuite nous avons pris l'avion, on l'a pris à 17h, voilà, que je me trompe pas. Voilà, ensuite donc pour l'avion on avait prévu des nouveaux livres pour Mila, donc on en avait prévu deux occupés dans l'avion. Ça s'est très très bien passé. Elle a un petit peu pleuré, mais vraiment juste pour le décollage, elle devait avoir mal aux oreilles, donc on lui a donné son biberon d'eau. Elle discutait avec tous les gens autour d'elle, c'est-à-dire les personnes derrière nous, elle se retournait et puis elle leur parlait, elle leur faisait ces petites bouilles qu'elle nous fait d'habitude. Et elle faisait pareil avec les gens d'à côté, bon, elle discutait un peu avec tout le monde, ça nous a fait rire. Tout le monde était un peu autour d'elle. Ensuite nous sommes arrivés à l'aéroport de Bastia et nous sommes, enfin on est arrivé vers, il me semble vers 19 ou 20h, je ne sais plus. Et puis nous sommes rentrés donc chez nos amis, on s'est installés et on n'a rien fait de spécial pour ce jour-ci. Pour le deuxième jour, nous avons fait de la route. Donc Mila a fait dodo pendant 1h30 pendant le trajet. Nous sommes allés faire des courses où on s'est baigné, après on a un peu profité, on a bu l'apéritif et tout ça. Et par contre l'après-midi il y avait de l'orage, donc c'était pas super cool en fait. Il y avait beaucoup beaucoup d'orage sans vraiment pleuvoir. Après il s'est mis à pleuvoir 10 minutes, après il faisait beau 40 degrés et après ça recommençait. Donc c'était un temps un peu incertain. Ensuite pour le troisième jour, nous avons été à la plage de Solenzara voir de la famille. Donc on a mangé vers une... Enfin on est parti déjà vers 9h30. On a acheté des sandwichs pour le repas du midi. Où on a pique-niqué, enfin la plage où on a pique-niqué, la mer à côté était vraiment très... Enfin trop agitée, il y avait beaucoup de vagues et tout ça, c'était vraiment pas joli. Du coup on est parti à la montagne à 30 minutes de cet endroit là, donc aux cascades, enfin à des cascades où il y a donc une rivière naturelle, donc de l'eau douce, et c'était vraiment magnifique.
Donc pareil, Mila a beaucoup dormi en voiture, donc ça c'était assez cool. Elle a dû dormir tout le trajet. Et en même temps, elle était fatiguée, elle s'est beaucoup baignée. On est rentré à 20h, donc des grandes journées comme ça. Elle était vraiment fatiguée. Ensuite, pour le jour numéro 4, nous avons visité la ville de Saint-Florent le matin. Le midi, nous sommes allés au restaurant et on a croisé. C'est Laurent, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le papa de Clem dans la série en fait, si vous arrivez à vous situer. Ou le monsieur qui fait la pub MMA. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir la personne dont je parle. Et ben on l'a vu au restaurant, donc on a pris une photo avec. Je vous montrerai pas la photo bien sûr. Mais on a pris une photo avec, donc c'était assez sympa. Ensuite nous sommes allés à la plage de Saint-Florent l'après-midi. Le jour, nous sommes restés à la maison après notre grosse journée, repos à la maison, donc piscine, et on a fait des crêpes parce qu'on avait envie d'en manger tout simplement. Mais il faisait vraiment hyper beau aussi. Le sixième jour, le matin, nous sommes partis à Bonifacio à 8h30 pour 2h30 de route. Donc on a fait une pause à 10h. On a pique-niqué dans la ville haute après, enfin, vers le midi quoi. L'après-midi, nous sommes partis à la plage de Santa Giulia. Et là, c'était vraiment... Mais quand je vous dis magnifique, c'est vraiment... J'ai jamais vu une plage aussi belle que ça. L'eau vraiment transparente, limite un petit peu... Je sais pas vraiment comment vous le décrire. Mais comme on voit sur les cartes postales, c'était vraiment magnifique avec les montagnes autour, les petits bateaux, tout ça, c'était vraiment mais magnifique. Donc vous le verrez sur les photos. Donc dans la voiture pour retourner à la maison, j'ai découvert, voilà, c'est encore moi qui l'ai découvert, comment on appelle ça? La septième dent de Mila. Donc en fait, elle était en train de parler. Enfin, quand je suis parlé, faire ces petits bruits. Et puis j'ai vu qu'elle avait une dent en plus, donc c'est la dent du bas, c'est sa septième, et je vous en ai parlé également dans la vidéo de ses 1 an, donc avec les changements qu'il y avait eu ce mois-ci. Donc je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo. Ensuite nous sommes rentrés, donc on est parti à 18h20 de là-bas, et donc pour encore 2 heures de route. Donc c'était assez chargé cette journée. On a fait 6 heures de route en tout dans la journée. Donc la petite était crevée. Elle s'endormit direct. À chaque fois qu'on était en voiture, elle s'endormit. Et elle a beaucoup beaucoup dormi cette journée-ci parce qu'elle se baigne. Elle est vraiment adorable. Elle ne pleurait jamais pratiquement. À part à la fin de la voiture. À la fin du trajet en voiture, elle s'énerve un peu, mais c'est complètement normal. Au jour numéro 7. Nous sommes reposés, enfin quand je dis reposés, c'est qu'on est resté à la maison, mais on a fait plein de trucs. On s'est baigné dans leur piscine qui est magnifique. Les jours 19h, nous sommes partis à Moriane, donc c'est pas très loin de Bastia. Enfin, c'est pas très loin d'où on était, et nous on était à côté de Bastia. On était à Borgo, il me semble. Ouais, c'est ça, Borgo. Donc nous avons fait les magasins, nous sommes allés au restaurant et après à la fête foraine. Au huitième jour, nous sommes allés à l'île Rousse et à Calvi. Et sur la route, sur le bord de la route, il y avait une maison avec un petit village. Donc je vous mettrai la photo juste là également. Un petit village très très mignon. Voilà, nous sommes allés au restaurant le midi, nous avons fait de la plage l'après-midi et nous sommes partis en petit train pour aller voir l'île Rousse et nous sommes retournés ensuite à la plage. Donc pareil, encore une fois, je vais vous mettre les images.
Pour le jour 9, nous nous sommes baladés le matin sur Bastia. Nous avons passé la journée à la piscine. Non, c'était à la plage, pardon. Et on a mangé à Bastia, pareil. Après, nous avons fait une petite balade digestive le soir. Donc juste après avoir mangé, bien sûr. On est rentré à la maison vers minuit. À 4h du matin. Donc c'était dur le lendemain de se réveiller à 7h pour partir. Donc c'est de là qu'on passe au jour numéro 10 et dernier jour. Nous sommes partis à quelle heure? À 11h de la maison, enfin à 10h45 de la maison. Donc pour partir à Bastia, nous avons pris l'avion à 13h10 à Bastia jusqu'à Marseille à 14h20. En fait, Marseille, c'était une escale. Donc normalement, on devait aller de Bastia jusqu'à l'endroit où nous atterrissons, donc que je ne vous dirai pas comme je l'ai dit au départ. Mais on s'est arrêté à Bastia, à Marseille, pardon, en escale. C'était prévu dans notre vol, donc on a eu 1h10 d'avion. Ensuite, arrivé à Marseille, le temps de changer d'avion, enfin de reprendre des billets, parce qu'en fait, on a pris, enfin je vous dirai après les compagnies qu'on a pris, mais au final, il fallait reprendre nos billets, repasser la douane, donc ressortir tous les trucs. Donc fallait ressortir les petits pots pour bébé, ils ont testé quelques-uns dans leur machine. Fallait ressortir tous les liquides, tous les solides, les ordinateurs, enlever ceinture, montre, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire au final. Mais on arrivait pile poil à l'heure pour prendre l'avion à Marseille. Puis nous sommes arrivés. Donc on est parti à 15h20 de Marseille et nous sommes arrivés à 16h20 là où nous devions aller. Donc après, voilà. Nous arrivons donc, nous sortons de l'avion à l'endroit où nous devions atterrir. On sort de l'avion, on va donc à la direction pour récupérer nos bagages sur les genres de tapis roulants. Sauf que on a eu un petit problème et c'est là donc que je vais vous le raconter. Donc j'arrête pas de dire donc. Je vais essayer de m'en empêcher. Nous sommes partis chercher les bagages et ils n'étaient pas là au bout de 20 minutes. Il y a tout le monde qui avait récupéré ses bagages. On a eu un petit problème. En fait, nous, nos bagages n'étaient pas là tout simplement. Donc on a demandé à une hôtesse de l'air, enfin une personne qui travaillait là-bas, où pouvaient être nos bagages. Et elle nous a dit, bah, c'est possible qu'ils soient restés à Marseille, pardon. Et là, quand on a appris ça, il était déjà 17h, sachant qu'on avait au moins 2 heures de route, sans compter les bouchons. Donc, et moi je reprenais le lendemain l'école. C'était assez compliqué. Mon père a fini par faire une feuille parce que bah, bien évidemment nos bagages étaient à Marseille, restés à Marseille et ils avaient oublié de les envoyer. Nous sommes partis sans nos bagages. Donc nous n'avions pas tous les trucs pour Mila, on avait juste le minimum, on n'avait même pas sa boîte de lait, heureusement qu'il y en avait une dans notre, enfin chez nous en rentrant. Sinon la petite n'aurait pas pu boire de biberon, on n'avait pas nos chargeurs de téléphone, pas de maquillage, pas les vêtements qui étaient prévus dedans, on avait ramené de la nourriture, et ben on n'avait rien du tout, pas les jouets de Mila. Enfin voilà, on avait deux valises. Et au final, on ne les avait pas avec nous pour enfin ils nous ont assuré nous les ramener le lendemain entre 15h et 17h, et au final on les a bien reçus vers 16h30 il me semble. Enfin moi j'étais du coup au lycée pour ma rentrée. Donc voilà. Ensuite, donc il y a eu beaucoup 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 de bouchons à l'endroit où nous étions. Donc c'est une grande ville vu qu'il y a un aéroport et tout ça. On a fait 1h30 de bouchon avant de pouvoir sortir de cette ville. C'est-à-dire que on arrivait chez nous à 20h30.
Donc on a réussi à gagner du temps sur le reste du trajet, mais sur l'endroit où nous étions, on n'a pas réussi. Donc au final, on est rentré à 20h30, sachant que bah, le temps de sortir nos quelques bagages à main qu'on avait, de s'occuper de Mila et tout ça, bah, j'étais un peu en retard pour me coucher pour le lycée le lendemain, c'était assez dur. Donc voilà, tout ça pour dire que Mila a été adorable tout le long du trajet. Enfin, tout le long de nos vacances d'ailleurs, elle s'est adaptée à nous. Normalement, je pense que c'est plutôt nous qui aurions dû s'adapter à elle. Mais au final, elle s'est très bien adaptée. On allait à la plage entre les siestes dans la voiture, les siestes dans la poussette, les sorties au resto le soir, les journées à la plage, les longs trajets, comme je vous ai dit tout à l'heure, 6 heures de trajet. C'était vraiment compliqué pour elle, je pense. Mais pour autant, elle ne nous en a pas fait voir de toutes les couleurs, elle était vraiment adorable pour ce qu'on lui a fait faire, on va dire. Donc c'était vraiment super. Pour ce qui est des compagnies, on a pris à l'aller Volotea. Au retour, pour le premier avion, on a pris Air Corsica. Et pour le deuxième avion de Marseille à l'endroit dont je ne vous dirai pas le nom, c'était Air France. Donc ça s'est assez bien passé, à part bien sûr pour nos bagages. Pour repasser la douane, donc c'était assez compliqué. À chaque fois, on a dû ressortir aux 3-4 fois toutes les affaires de Mila. Elle s'est endormie dans les bras de ma maman, à l'aéroport et tout ça. Bon, au final, ça s'est quand même très très bien passé. On est super contents de nos vacances. On lui a ramené des petits cadeaux, enfin des petits jouets et tout ça. Et je vous ferai une autre vidéo sur ce qu'on a ramené de vacances pour Mila et ce qui nous a servi également. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!